الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous continuons inshallah tabarak wa ta'ala l'explication du livre de la zakat, de l'aumône, que l'on avait entamé la semaine dernière. On avait donné la définition du terme az-zakat, on avait donné la définition littéraire en arabe, ainsi que la définition juridique, c'est-à-dire islamiquement parlant. Quant à la définition dans la langue arabe, az-zakat signifie accroître, la croissance. Et en islam, qu'est-ce que ça signifie az-zakat? C'est-à-dire, c'est un acte obligatoire. Quand on parle de définition, c'est quelque chose de précis. En islam, qu'est-ce que la définition de az-zakat? Naam. Adorer Allah en donnant une partie de ses biens. Naam. C'est obligatoire à des gens bien placés. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie d'un bien défini envers des personnes bien définies. Donc tu ne donnes pas n'importe quel argent, tu ne donnes pas n'importe quelle quantité d'argent, et tu ne donnes pas à n'importe quelle personne, mais tout est défini par la religion. Donc az-zakat, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie de tes biens, des biens qui sont spécifiques, pas tous tes biens, mais des biens que l'islam a définis, que tu dois donner envers des personnes bien définies. Et on avait donné quelques sagesses de az-zakat. Parmi ces sagesses, qui peut en citer quelques-unes? Quels sont les bienfaits de la zakat sur le, envers la société? Naam. L'égalité entre les pauvres et les riches. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire que c'est... Naam. C'est pour donner aux pauvres. Eh ouais, que les pauvres aident, que les riches aident les pauvres. Donc c'est une entraide. Naam. Calmer la colère des pauvres. Calmer aussi la colère des pauvres, de certains pauvres envers les riches, car si les riches leur donnent, cela va changer leur vision, la vision qu'ils avaient des riches. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Que c'était une des causes de l'entrée au paradis. Quoi d'autre? Que c'était une purification des biens et de la personne. Et c'est aussi un moyen d'apaiser le cœur, Ahsan, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et c'est aussi un moyen qui permet d'avoir encore plus d'argent, car plus tu donnes de la zakat, et plus ton argent augmentera, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un argent, ou plutôt l'argent de la personne, ne diminue pas en donnant la zakat. D'accord? Ensuite, on avait parlé de le jugement, ou plutôt le statut de la zakat en islam. Le statut de la zakat en islam qui est... Qu'est-ce que c'est la zakat en islam? C'est un pilier. C'est le troisième pilier de l'islam. C'est le troisième pilier de l'islam. Combien de fois est-ce que la zakat a été citée à côté ou associée à la prière dans le Coran? 82 fois. Taïb. Ensuite, on avait parlé... des hadiths et des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous mettent en, ou qui mettent en garde ceux qui ne donneraient pas cette zakat. Parmi les versets, celui qu'on le retient, c'est lequel? C'est sur, dans surat al-Tawbah, en surat le repentir. Personne le connaît?
الذين يكنزون الذهب والفضة ceux qui gardent l'argent et l'or, c'est-à-dire le métaux, et ne donnent pas la zakat, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ annonce-leur alors un douloureux châtiment. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ le jour où ces choses seront chauffées, le jour du jugement, seront chauffées en enfer, puis la personne sera brûlée de ses biens dont il n'aura pas donné la zakat. Et parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux hadiths qu'on avait cités, un qui était court, l'autre qui était beaucoup plus long, que celui qui ne donne pas la zakat de ses biens, comment est-ce que ce bien se transformera le jour du jugement ? En un serpent immense qui le mordra et qui l'attrapera par les joues et lui dira « Je suis ton trésor, je suis ton argent », c'est-à-dire ce trésor et cet argent dont tu ne donnais pas la zakat. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne donne pas la zakat, que des plaques seront chauffées, des plaques de feu seront chauffées en enfer, puis la personne sera brûlée sur son front, sera brûlée sur ses flancs, sera brûlée sur son dos, à cause de cette zakat justement qu'il n'avait pas donnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des exemples, par exemple le berger, ou plutôt celui qui possède des chameaux, et qui ne donne pas la zakat de ses chameaux. Quel sera son châtiment le jour du jugement? Non, il sera piétiné seulement et mordu aussi par cet animal. Et lorsque le dernier de ces animaux qu'il avait en sa possession aura fini de le mordre et de le piétiner, que se passera-t-il? Le premier reviendra. Et ainsi de suite, pendant un jour dont la durée est, comme le professeur Asselam nous en a informé, de 50 000 ans. Ensuite, on a parlé de celui qui s'abstient, le jugement de celui qui s'abstient de la zakat, de donner la zakat. Celui qui renie l'obligation de la zakat en islam, quel est son jugement? Il sort de l'islam, wa la yadu billah, qu'Allah nous en préserve. Celui qui renie l'obligation de la zakat n'est pas un musulman en islam. Et quant à celui qui atteste que la zakat est obligatoire, qui ne nie pas l'obligation de la zakat, mais pour autant ne la donne pas, car il a une foi qui est faible, ou tout simplement il n'en a pas envie, ou bien parce qu'il est feignant, ou bien parce qu'il aime trop l'argent, etc., etc., tout en admettant et en attestant que la zakat est obligatoire et qu'il admet qu'il est en erreur. Celui-là, son jugement est non. C'est un musulman qui a fait un énorme péché. Et comment doit se comporter le gouverneur envers une personne comme celle-ci? Naam, il doit prendre le pourcentage qu'il doit de la zakat sur son argent, plus la moitié de la zakat. Il doit prendre l'argent qu'il devait donner comme zakat, même contre son gré, et prendre en guise de réprimande envers cette personne, de prendre également la moitié de ses biens. Le gouverneur doit prendre l'argent de la zakat que devait donner cette personne qui s'abstient, et en plus de ça, doit prendre comme correction et comme leçon pour lui, doit prendre également la moitié de ses biens. Donc ça, c'est concernant les personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Quant aux personnes qui refusent de donner la zakat, et qui ont les capacités de pouvoir se défendre. Comment doit se comporter le gouverneur? Il doit les combattre. Comme l'a fait Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, on a parlé des personnes pour qui la zakat est obligatoire. La zakat est obligatoire pour tout musulman qui soit libre, qui a atteint le seuil en arabe qui est appelé An-Nisab, et quoi d'autre, et qu'il a eu en sa possession pendant un an révolu, en comptant bien sûr les mois lunaires et non les mois solaires, sauf l'argent qui soit qu'il ait gagné de
façon licite. Non, ça on verra après. On verra après pour ça, Inch'Allah. Mais donc ça c'est concernant l'argent. Et concernant les récoltes, il y a une spécificité. Chaque récolte. Non. Après chaque récolte. Il doit donner la zakat au moment de la récolte, de la moisson. Et dans ce cas, il n'est pas, parmi les conditions, il ne fait pas partie de l'avoir en sa possession pendant un an. Taïb. Et l'auteur n'a pas dit al-Baliyah. Est-ce qu'il a parlé du Baliyah? Non. Quel est le jugement d'un enfant de 3 ans qui a une somme importante en sa possession? Est-ce qu'il doit sortir la zakat ou non? Non? Il ne sort pas? Mais l'argent, il est à lui. Son père, il dit, voilà, cet argent, c'est pour mon fils qui a 2 ans. Je lui donne 20 000 euros. Non, est-ce que la zakat doit être sortie de cet argent ou pas? Non, il doit être sorti. Même si l'enfant n'est pas pubère. C'est pour cela que parmi les conditions qu'a données l'auteur, qu'il soit musulman et libre. Il n'a pas dit qu'il soit musulman et pubère. Et ça, à l'unanimité des savants, un enfant, même s'il est orphelin, qui a en sa possession une somme d'argent qui est au-dessus du seuil, au-dessus du nisab, et qu'il a eu en sa possession pendant un an révolu, il doit sortir la zakat. Et s'il est petit et qu'il ne connaît pas ces choses-là, alors c'est à son tuteur, celui qui en est responsable, de sortir sa zakat. Et si la zakat n'est pas sortie, c'est alors son responsable, son père ou autre, son tuteur, qui aura le péché de ne pas avoir sorti la zakat. Non. Ensuite, on a défini les différentes sortes de biens dans lesquels on doit sortir la zakat. On avait dit que la zakat est obligatoire sur l'or et l'argent, également entre dedans la monnaie. L'or et l'argent entrent dedans la monnaie. Ensuite, les récoltes, les fruits, trésors, les fruits, les animaux et les trésors d'avant l'islam qui est appelé en islam, en arabe, al-rikaz. Al-rikaz, ce sont les choses qui ont été enterrées avant l'arrivée de l'islam. D'accord? Donc on a parlé de la zakat, de l'or et de l'argent. Comme cela, on avait dit que le nisab, le seuil pour l'argent est de. Elle est dans le hadith, avant d'arriver au gramme. Elle dit en islam, c'est 200 dirhams? Non, on parle de l'or. On commence par l'or. Ah, j'ai dit l'argent, Alphon. Par l'or. Le nisab de l'or. 20 dinars. 20 dinars islamiques. Et. Le seuil et le nisab de l'argent, de l'fidda, c'est 200 dirhams, mais dirham al-islami, 200 dirhams islamiques. Taïb, 20 dinars correspondent à combien? 35 grammes. Non? Combien de grammes d'or? 200 dinars d'argent, d'or à fouet, combien est-ce que cela équivaut? Et comment est-ce qu'on pourrait calculer nous à notre époque ça? Parce que 20 dinars, ce sont des dinars islamiques. À quoi ça correspond à notre époque? 85 grammes. 85 grammes de d'or. Taïb, comment on a calculé les 85 grammes? Un dinar égale à 1 bitcoin, quand il y a un bitcoin, c'est 4 grammes dans le 5 d'or. Donc, tu fais 1 dinar multiplié par 4 grammes on a dit combien? Un dinar égale un dinar égale à mithqal. Ensuite, c'est égal à 4,25 grammes d'or. 4,25 grammes d'or. Donc, Donc, pour avoir 20 dinars, tu fais 20 fois 4,25, ça veut dire 85 grammes Ahsant. Donc on avait dit que un dinar, c'était un mithqal. Et un mithqal, ça correspond à d'or. 4,25 grammes. Donc, lorsque tu fais 20 fois 4,25, ça te donne 85 grammes d'or. Donc, lorsque tu as en ta possession au minimum 85 grammes d'or et que tu les as eu pendant une durée d'un an, tu dois sortir
de ces 85 grammes, le professeur Hassan m'a dit Rub'u al-ushr, le quart du dixième, qui correspond à. Le quart du dixième qui correspond à 2,5%, ou si on veut faire plus simple, ça correspond à diviser par 40. Anyway. Ensuite, les 210 dirhams. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les 210 dirhams? À combien est-ce qu'il correspond en grammes? 585. On avait dit que. 595. Comment? 595. 595 grammes. Comment est-ce qu'on avait calculé ces 595 grammes? Comment on avait calculé 595 grammes? Naam? 10 dirhams, ça fait 7000 francs. 10 dirhams, Ahsan, ça correspond à 7 mathaqil. Mathaqil. Taïb, 7 mathaqil. C'est 20 fois 7, c'est pas 40, après on multiplie par 7. Donc tu fais 20 fois 7 mathaqil, ce qui fait 140. 140 mathaqil. Sachant que 1 mithqal est égal à 4,25 grammes. Aïwa. Donc tu fais 140 fois 4,25, ce qui te donne 595 grammes. C'est clair? Vous êtes sûr? Et donc, lorsque tu as atteint également 210 grammes, c'est-à-dire 595 grammes d'argent, c'est-à-dire le métal en ta possession pendant un an, tu dois sortir également rub'u al-'ushr. Tu dois sortir également 2,5% de ce que tu as en ta possession. طيب يقول المؤلف زكاة الحلي la zakat concernant les bijoux. زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة. Donc la zakat des bijoux. L'auteur dit la zakat des bijoux est obligatoire. Et cela, la preuve, c'est la globalité du verset. La globalité du verset, ainsi que les hadiths rapportés, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapportés à ce sujet. Et il dit, il n'y a pas de preuve authentique, ou plutôt ceux qui sortent les bijoux d'or et d'argent du verset n'ont aucun dalil, n'ont aucune preuve avec eux pour cela. De quel verset on parle? Alladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda, ceux qui gardent l'argent et l'or. Allah subhanahu wa ta'ala a dit l'argent et l'or. Et entre dans l'argent et l'or cité dans ce verset, tout ce qui est argent et tout ce qui est or, que ce soit bijoux ou non. Et celui qui veut dire non dans le verset, les bijoux ne sont pas compris dedans, il doit avoir un dalil. Il doit avoir une preuve qui lui permette de dire cela. Donc l'auteur dit, il n'y a pas de preuve pour ceux qui sortent les bijoux de ce verset. Et il dit, il y a même des hadiths rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve l'obligation de sortir la zakat même sur les bijoux. Minha, parmi ces hadiths, an Umm Salama qalat kuntu albasu awdahan min dhahab faqultu ya rasul Allah akanzun hu faqala ma balagha an tuaddi zakatahu fazakki falaysa bikanz. Hadith hasan rawahu Abu Daoud wa Ad-Darqutni. Parmi ces preuves, le hadith de Umm Salama, radiallahu anha, qui dit, je portais des bijoux, ce sont des bijoux de couleur blanche, qui sont éclatants, d'or. Fakultu, et j'ai dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que ceci est un trésor? Akenzunhu, elle avait peur que ce qu'elle avait en possession entre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle a dit, Nayaknizun al-dhahaba wal-fidda. D'accord? Ceux qui prennent ou qui gardent comme trésor l'argent et l'or. L'or et l'argent. Et
elle a eu peur que qu'elle entre dans ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ma balara an tu'addi zakatahu fazakki falaysa bikanz » Lorsque tu as en possession des bijoux dont la valeur dépasse le seuil, alors donne l'aumône sur ces biens « falaysa bikanz » et ce ne sera pas considéré comme un trésor. Ce ne sera pas considéré comme un trésor. Dans ce hadith, tout d'abord, il y a une preuve qu'il est autorisé aux femmes de porter de l'or. Car Umm Salama radhiyallahu anha a dit « Kuntu albasu awdahan min dahab » Je portais des bijoux qui étaient éclatants, c'est-à-dire brillants, et qui étaient d'or. Et elle a dit « Ô envoyé d'Allah, est-ce que cela est un trésor ?» Et il y a une preuve dans cela, que les trésors en islam, ce n'est pas forcément ce qui est enterré. Car ce qu'on connaît, nous, en langue française, un trésor, c'est quelque chose qui est enterré. En islam, un trésor n'est pas forcément ce qui est enterré. Tout ce que une personne qui ne donne pas de zakat sur des biens alors qu'il devait, cela est considéré comme un trésor. Même s'il est au-dessus de la surface. Et le prophète sallam lui a dit ce que tu as en ta possession qui a atteint le seuil, alors donne la zakat et cela ne sera pas considéré comme un trésor. Il y a une divergence des savants à ce sujet sur la zakat des bijoux. La majorité des savants considèrent que les bijoux qui sont utilisés par la femme, qu'elle n'est pas obligée, qu'il ne lui est pas obligatoire d'en sortir la zakat. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Jumhur al-ulama. Parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Parmi eux, Al-Imam ibn al-Qayyim. Et la majorité des savants considèrent que il n'y a pas de zakat à donner sur les bijoux que la femme a en sa possession et qu'elle utilise. Et ils disent, parmi les preuves, c'est le hadith du prophète sallam, laysa fil huli zakat. Il n'y a pas dans les bijoux de zakat. Et la divergence porte sur ce hadith. Car beaucoup de savants également, plutôt ceux qui considèrent l'obligation de la zakat pour les bijoux, considèrent ce hadith faible. Cheikh l'Albani, rahimahullah, l'a même qualifié de batil, de nul. Que c'est un hadith qui n'a aucune authenticité, qui n'est pas authentique du tout. Et à notre époque, les savants qui considèrent que la zakat sur les bijoux sont obligatoires sont les trois grands savants connus à notre époque. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, les trois considèrent que la femme doit donner la zakat sur les bijoux qu'elle a. Et elle doit mesurer ou peser l'argent ou l'or pur. C'est-à-dire si elle a une bague qui contient une perle précieuse ou une perle ou autre chose, elle doit déduire le poids de tout ce qui n'est pas or ou argent. Et quand on parle de 85 grammes d'or, c'est-à-dire 85 grammes d'or pur. Donc si tu as une bague avec plein de pierres, la bague peut peser 20 grammes, mais elle ne comporte que 10 grammes d'or. D'accord? Et parmi la preuve des autres savants qui considèrent que cela n'est pas obligatoire, ils disent que c'est quelque chose qui est utilisé par la femme. C'est comme les biens de la personne qu'elle a chez elle, comme des tapis, comme de la vaisselle, etc., etc. Ce sont des choses qui sont utilisées et qui n'accroient pas. Ce ne sont pas des choses qui accroient, comme les biens de quelqu'un, la personne qui a un salaire, et l'argent entre tous les mois, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui accroît. Or, l'islam nous demande de sortir la zakat sur quelque chose qui accroît, non sur quelque chose qui est stable et utilisé. D'accord? Ça, ce sont parmi leurs preuves. Et Allahu a'lam, l'avis le plus sûr est celui qu'appuie les hadiths, comme ce hadith de Umm Salama et l'autre que l'on va lire, le hadith de Aïcha, c'est que la zakat sur les bijoux est obligatoire. Wallahu a'lam. وعن عائشة قالت
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. حديث صحيح رواه أبو داود والدارقطني. Un autre hadith qui prouve l'obligation pour la femme de sortir la zakat sur les bijoux est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et a vu dans ses mains des grosses bagues en argent. Fatakhat ay al-khawatim al-kibar. De grosses bagues d'argent dans ses mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que cela, ô Aïcha? Elle a répondu: je les ai fabriqués pour m'embellir à toi, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: atu'addin zakatahun? Est-ce que tu donnes la zakat sur ces bagues? Qultula, elle a dit non. Aw ma sha Allah. C'est-à-dire, elle a dit non ou autre que non. Elle a dit non ou bien une autre parole. Aw ma sha Allah. Qala, le prophète sallam lui a dit: huwa hasbuki min an-nar. C'est ce qui te suffit pour l'enfer. Wal a'yadu billah. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ad-Darqutni. Tayyib, donc ça concernant donc le premier type de bien dans lequel la zakat doit être sortie, ce sont, comme on l'a vu, l'argent et l'or. Puis l'auteur dit, deuxièmement, ثانياً زكاة الزروع والثمار. Deuxièmement, non. Yani, la zakat doit être payée à celui qui possède le bien, doit être payé par celui qui possède les biens. Donc si ta femme a des bijoux, les bijoux appartiennent à ton épouse, appartiennent à ton épouse, et c'est à elle de sortir la zakat. Mais les savants disent qu'il est autorisé au mari de sortir la zakat pour sa femme, à une condition, c'est qu'elle lui donne l'autorisation. Si elle lui dit oui, je t'autorise pour que tu sortes la zakat pour moi. Si elle ne donne pas l'autorisation, il ne doit pas sortir la zakat. Non. Mais une femme qui a des bijoux, par exemple, son mari lui a offert des bijoux, et ça a atteint un seuil de plus de 85. Non. Sachant que cette sœur n'a pas d'argent, ça fait comment? Les savants disent, celle qui a des bijoux qui ont atteint le nisab, et qu'elle a eu en sa possession pendant un an, et qu'elle n'a pas de liquidité pour donner la zakat, qu'elle doit vendre de ses bijoux, ou bien alors donner de ses bijoux. Si par exemple, sa zakat, c'est de donner 10 grammes d'or, et qu'elle a un bijou qui pèse 10 grammes d'or, elle n'a pas d'argent, eh bien elle donne ce bijou de 10 grammes d'or. Et si elle n'a pas d'argent, elle doit vendre certains de ses bijoux pour pouvoir payer la zakat. Non. Deuxièmement, zakat az-zuru'i wath-thimar. La zakat concernant les récoltes et les fruits. قال الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأنعام, سورة البستيو, verset 141. الله سبحانه وتعالى dit, selon le sens, c'est lui qui a créé les jardins, à même le sol ou élevé, ainsi que les palmiers et la culture. Ainsi que les palmiers et la culture. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ici les palmiers et la culture, alors que cela entre dans les jardins. Alors, Saint Allah a dit au début, c'est lui qui a créé les jardins. Et ensuite, il a cité un nakhl et un zoroa. Et cela, les savants disent pour montrer les bienfaits
de ces deux choses, les bienfaits des palmiers, autrement dit des dattes, et également les bienfaits des cultures. Mukhtalifan ukulu, qui sont diverses. Wazzaytoun wa rumman, ainsi que l'olive, de même que l'olive et la grenade. D'espèces semblables et différentes. C'est-à-dire que il y a parmi les créations d'Allah Azzawajal, comme c'est Rahmatullah, des choses qui se ressemblent en apparence, mais qui sont totalement différentes dans le goût et dans les fruits. Et les savants ont expliqué ce verset, Allah Ta'ala a cité l'olivier et le grenadier. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ, l'olive et la grenade. Et lorsque tu vois l'olivier, et lorsque tu regardes le grenadier, tu as l'impression que ce sont deux arbres identiques. Ils se ressemblent. Mais les fruits ne se ressemblent pas, et le goût est totalement différent. Est-ce qu'une olive ressemble à une grenade? Est-ce que le goût de l'olive est le même que le goût de la grenade? Non. Pourtant, les arbres sont identiques. Mutashabihan wa ghayra mutashabih. Ils se ressemblent, mais en même temps, ils ne se ressemblent pas. Kulu min thamarihi idha athmar. Mangez de leurs fruits quand ils produisent. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Et donnez et acquittez des droits, acquittez-en les droits le jour de la récolte. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا. Et ne gaspillez pas. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Car il n'aime pas les gaspilleurs. C'est-à-dire, qui n'aime pas? Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. طيب. Donc ça, c'est ce qui nous prouve l'obligation, ce verset nous prouve l'obligation de sortir la zakat pour les fruits et les récoltes. Et que la zakat doit être sortie le jour de la récolte. طيب يقول المؤلف الأصناف التي تؤخذ منها. Quelles sont les catégories dans lesquelles on doit sortir la zakat? لا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة بينها هذا الحديث. La zakat ne doit être sortie que sur quatre catégories. يعني de choses concernant les récoltes et les fruits, il y a seulement quatre catégories concernées par la zakat. Ce sont les catégories citées dans ce hadith, le hadith de Abu Burayda. عن أبي بردة عفوا عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب. حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Donc ces quatre catégories sont ceux qui sont cités dans le hadith de Abi Burdah, qui rapporte de Abu Musa et de Mu'ad, de Abu Musa al-Ash'ari et Mu'ad ibn Jabal, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés au Yémen afin d'y appeler et d'y propager l'islam, pour enseigner aux gens les choses de la religion. فَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَأْخُدُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'ad ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari de ne prendre la zakat que de ces quatre choses. Al-Hinta, al-Hinta qui est le froment ou le blé. Wa-Sha'ir, al-Sha'ir qui est l'orge. Wa-Tamr, la date. Wa-Zabib, le raisin sec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne prendre la zakat que de ces quatre choses. Le blé ou le froment, l'orge, les dattes et le raisin sec. En dehors de ces quatre, il n'est pas obligatoire de sortir la zakat. Et il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants disent que l'on doit sortir la zakat que sur ces quatre catégories. D'autres disent non.
On doit sortir la zakat sur tout ce qui sort de la terre. De tout ce qui sort de la terre et que l'on peut garder, que l'on peut préserver. Car ceux qui considèrent que la zakat ne concerne que les quatre catégories utilisent ce hadith. Le hadith de Mu'ad et de Abu Moussa al-Ash'ari. Ils disent que le hadith est authentique et qu'il ferme toute porte à la divergence. Et les autres savants disent non, le hadith n'est pas authentique, mais il est faible. Le hadith est faible et donc la zakat concerne tout ce qui sort de la terre et qui peut être conservé. Donc sort de cela tout ce qui ne peut pas être conservé. Le blé, est-ce qu'il peut être conservé? Oui. L'orge, est-ce qu'il peut être conservé? Oui. Les dattes, peuvent-elles être conservées? Oui ou non? Oui. Les raisins secs, peuvent-ils être conservés? Oui. Les amandes, par exemple, est-ce qu'ils peuvent être conservés? Oui. Les cacahuètes, oui. Tout ce qui peut être conservé et que tu as en ta possession et qui atteint un certain poids, alors tu dois sortir la zakat. Les pommes, est-ce qu'elles peuvent être conservées? Non. Les pêches, les poires, tous les fruits ne peuvent pas être conservés hormis le raisin et les dattes. De même pour les légumes. Les légumes ne peuvent pas être conservés. Les tomates ne peuvent pas être conservées. Et les savants, lorsqu'ils parlent de la conservation, ils parlent de ce qui est conservé naturellement. Car tu peux très bien prendre une tomate et la mettre dans ton congélateur. Elle va être préservée pendant 10 ans si tu veux. Mais malgré cela, les savants disent, lorsque l'on parle de conservation, on parle de conservation naturelle et non conservation artificielle. Non. Zit zitun. Non, parce que azaytoun, il ne se conserve pas. On parle du fruit. L'olive, est-ce qu'elle se conserve ou pas? Elle ne se conserve pas, donc elle n'entre pas dans la zakat. Atin yakhila des savants. Il y a un khilaf des savants sur Atin, sur la figue. Est-ce qu'il y a de la zakat ou non? Certains disent oui, certains disent non. Selon ce qui est connu de la conservation des figues. Car la conservation des figues est connue dans des pays et n'est pas connue dans d'autres. Elle est connue dans certains pays pour pouvoir être conservée et dans d'autres pays pour ne pas être ou ne pas pouvoir être conservée. Et il y a une autre catégorie où il y a une divergence de savants, c'est sur le miel. Est-ce qu'il y a une zakat sur le miel ou non? La plupart des savants disent qu'il n'y a pas de zakat dans le miel. Et il y a certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, qui parlent de la zakat du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fi kulli ashrati azuq ziq » yani une mesure appelée ziq, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait ziq. Et que les savants ont calculé en disant que ashrat Azouk correspond à 62 kilos, comme l'a défini Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Que le nisab, le seuil dans, en matière de, comment dire, de miel est de 62 kilos. Mais même ceux qui disent qu'il y a une zakat, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin, disent qu'ils prennent ça avec prudence. Pourquoi? Car dans les hadiths, il a été stipulé que lorsque la zakat du miel avait été donnée, il y avait une compensation de la part du gouverneur. Le gouverneur, en prenant la zakat, prenait l'engagement de garder et de protéger les ruches. De protéger les ruches. Donc on peut comprendre de ce hadith que la zakat était prise par le gouverneur
afin de pouvoir préserver et garder ses ruches. Et que si il ne gardait pas les ruches, il ne voyait plus d'utilité à prendre la zakat. Vous avez compris ou pas? Donc c'est là où les savants disent que c'est préférable, sans pour autant attester de l'obligation de façon formelle. Ils n'attestent pas de l'obligation de la zakat sur le miel de façon formelle, mais disent que cela est préférable et demandé. Tayyib, an-nisab. Maintenant, l'auteur parle du nisab, du seuil concernant les récoltes et les fruits. Yushtaratu li wujubi az-zakati fi az-zuru'i wath-thimar an tablugha an-nisab al-madhkur fi hadha al-hadith. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Et une chose que j'ai oublié de dire concernant les savants qui disent que la zakat est obligatoire sur tout ce qui sort de la terre et qui est conservé, qui peut être conservé. Mais ils ont donné aussi une autre condition, c'est que il faut que ce soit de la nourriture. Il faut que ce soit de la nourriture, c'est-à-dire que ce soit quelque chose que les gens prennent comme aliment. Et non pour ce qui est autre que aliment. Par exemple, ils disent que les épices, est-ce que ça sort de la terre, oui ou non? Ça peut être conservé, oui ou non? Oui. Mais il n'y a pas la zakat dans les épices. Car les épices, on les utilise pour donner du goût aux aliments, pour leur donner du plus de piment ou moins. Mais en aucun cas, ce sont des choses que l'on prend comme nourriture. Comme par exemple l'origan. Vous prenez l'origan, c'est quelque chose qui sort de la terre, c'est quelque chose qui est conservé, qui peut être conservé longtemps, mais ce n'est pas quelque chose que les gens prennent comme nourriture, mais utilisent cela comme des épices pour donner de l'arôme ou plus de goût aux aliments et aux plats que l'on prépare. C'est clair? Taïm. Concernant le nisab, concernant les cultures et les fruits, c'est ce qui est rapporté dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas dans moins de 5 chameaux de sadaqa, c'est-à-dire de zakat. Pour celui qui possède moins de 5 chamelles, est-ce qu'il a une zakat à donner ou non? Non. On en déduit que le nisab, que le seuil pour celui qui possède des chameaux est de 5 chamelles. Celui qui en a 4 ne doit pas donner la zakat. Celui qui en a 5 doit donner la zakat. Puis le professeur Hassan m'a dit: وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٍ. Il n'y a pas dans moins de 5 awaq sadaqa. Et l'awaq, c'est le pluriel en arabe de uqiyya. C'est le pluriel en arabe de uqiyya. Et al-uqiyya en arabe, bittifaq al-ulama, à l'unanimité des savants, ça correspond à 40 dirhams. 40 dirhams islamiques. Et le professeur Sam a dit: il n'y a pas dans moins de 5 awaq sadaqa. Et dans une autre version, laysa fi maduna khamsi awaqin min fidda sadaqa. Et dans d'une autre version, le professeur Asselin parlait là du seuil concernant quel matériau? L'argent. Car dans ce hadith, il n'est pas cité l'argent. Dans d'autres hadiths, est cité l'argent. Donc il n'y a pas dans moins de 5 awaq. Et on a dit que l'uqiyya correspond à 40 dirhams. Donc il n'y a pas dans moins de 5 fois 40, c'est-à-dire 200. Et on retrouve le nisab que l'on a vu dans les autres hadiths de l'argent qui est de 200 dirhams. Donc il n'y a pas dans moins de 200 dirhams d'argent de sadaqa. Autrement dit, le seuil pour l'argent est de
200 dirhams. Puis le professeur a dit, et c'est là où le hadith est une preuve dans ce que l'on traite actuellement, il n'y a pas dans moins de 5 awsuq. De 5 awsuq, dans moins de 5 awsuq, il n'y a pas de sadaqa, c'est-à-dire il n'y a pas de zakat. Et al-wasaq, al-wasaq, yani awsuq, c'est le pluriel de wasaq. Et al-wasaq, en islam, ça correspond à 60 sa'a. Ça correspond à 60 sa'a. D'accord? Et à ça, ça correspond à combien? 5 moud. Combien? 5 moud. 5 moud? 4 moud. 4 moud. À ça, arba'atu, amdad. Et ce sont 60 sa bil moud an-nabawi. Ce n'est pas n'importe quel moud, mais c'est le moud. Le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sa a été estimé par les savants à combien en grammes? Les savants qui ont estimé de façon précise, en prenant le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant le mot du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont mesuré un sa' et l'ont estimé exactement à 2040 grammes. À 2 kilos 40 grammes. C'est ça exactement la mesure du nisab. Du sa' afwan al-nabawi. Du sa' al-nabawi. Et on avait déjà parlé de l'mud al-nabawi, la mesure du mud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit le mud, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça correspond à le mud? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le mud. C'est ce que contient les deux mains ouvertes et jointes. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait ses mains, les ouvrait et les joignait, et il les remplissait quatre fois, la mesure ou le poids était de 2040 grammes. 2 kilos 40 grammes. Et al-mud al-nabawi, est-ce qu'on peut encore le mesurer à notre époque ou pas? Non. On peut ou pas? Oui. Il n'est pas lancé. Non? Il y a des ustensiles qui existent. Il y a des ustensiles, il y a des sortes de récipients qui correspondent au mood du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a même la plupart ont une chaîne de transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'ustensile qu'ils ont entre leurs mains. Et l'ustensile est fabriqué au fur et à mesure. Et par exemple, toi, si tu veux avoir un mood, et la quantité ou la correspondance du mood du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux. Si tu vas en Arabie Saoudite, les mashayikhs ont des mouds. D'accord? Et avant de te donner l'accord, il va d'abord le mesurer avec celui qu'il a. Il va le mesurer par exemple avec du riz ou avec du blé. D'accord? Il va mesurer au grain près. Il va le mesurer au grain près. Car le récipient que tu vas fabriquer, il peut ne pas correspondre exactement à celui qu'a le cheikh en sa possession. Donc si tu veux par exemple une ijaza sur un mout, tu essaies d'avoir un récipient correspondant, puis tu vas voir les savants qui ont ce récipient avec la chaîne de transmission et ainsi avoir un mout, le mout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont la possibilité ici de fabriquer un récipient contenant le mood du prophète sallam, il peut me le dire, moi j'ai un mood, un récipient qui correspond au mood du prophète sallam, celui qui a la possibilité de se faire un récipient en aluminium ou autre, qui me le dise inshallah et on s'arrangera. Taïb, donc on a dit al-wasaq correspond à combien de sa'a? 60 sa'a. Un sa'a correspond à 2 kg 40 grammes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas dans moins de 5 awsuq de zakat.
Et là, le professeur Asselin parle du nisab dans quelle catégorie de biens? Azara, des cultures et des fruits. Car le premier nisab que le professeur Asselin a cité dans le hadith, c'est le nisab de la chamelle. Puis ensuite, il a cité le nisab de l'argent. Et là, le troisième nisab, c'est le nisab des cultures et des fruits. Donc, le nisab correspond à 5 awsuq. Donc, ce qui correspond à combien de sa'a? 60. 5 fois 60? 300. Donc, le nisab correspond à 300 sa'a. Et 300 sa'a correspondent à combien en grammes ou en kilos? 2040 fois 300. Ce qui fait fois 300. 20 400. Ça fait en tout, en kilos, ça fait 612 kilos. Le nisab pour les cultures et les fruits correspond à 612 kilos. 60 fois 2 kilos et 40 grammes correspondent à 612 kilos. Donc, lorsque un agriculteur a un champ de blé et que lorsqu'il récolte ce blé, il a plus de 612 kilos, il doit donner la zakat. Combien il va donner? On va le voir après, Inch'Allah. Mais à partir du moment où il a 612 kilos de date, il doit donner la zakat. S'il a 612 kilos de raisin 5, il doit donner la zakat, etc., etc. Non. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans le bab zakat, on avait dit ça la semaine dernière. La yujma' bayna muftariq, wa la yufarraq bayna mujtami'. On ne doit pas séparer deux choses identiques, ni rassembler deux choses différentes. Al-miqdar al-wajib. Maintenant, après avoir connu le nisab, le seuil, quelle est la quantité que l'on doit donner en zakat? Al-miqdar al-wajib, la quantité obligatoire. An Jabir, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Selon Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, a dit: ce qui est arrosé par les rivières et par la pluie, le dixième, les dixièmes. Et ce qui est arrosé, bissaniya, c'est le chameau que l'on utilisait à l'époque pour aller chercher l'eau. C'est le chameau que l'on utilisait à l'époque pour aller chercher l'eau d'un puits ou d'une rivière. Nisful ushur. Et ce qui est arrosé à l'aide de ce chameau, alors la zakat est de la moitié du dixième. La zakat est alors de la moitié du dixième. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui est arrosé par les rivières ou par la pluie, c'est-à-dire celui qui a un champ de blé ou autre. Et ce champ, il ne l'a jamais arrosé. La pluie qui est tombée durant l'année a suffi pour que le blé arrive à maturité. Et qu'il a, après avoir récolté ce blé, 612 kilos. On va dire 700 kilos de blé. Combien doit-il sortir de zakat? 10%. 10% de ces 700 kilos. Autrement dit, 70 kilos. Pourquoi? Car le champ a été arrosé soit par une rivière ou soit par l'eau de la pluie. Et lorsque la personne arrose le champ elle-même,
c'est-à-dire qu'elle prend l'eau d'un endroit et qu'elle le ramène pour arroser son champ, dans ce cas, la zakat est de la moitié du dixième. Autrement dit, s'il a 700 kilos, la zakat est de, en kilos, 35%. 35 kilos, Akwan. 35 kilos. Et ainsi, l'islam, c'est une religion juste et droite. Celui qui n'a pas arrosé, qui ne s'est pas fatigué à arroser son champ, il est normal que la zakat soit plus grande et plus importante. Quant à celui qui s'est fatigué à prendre l'eau d'un endroit et à arroser son champ, il est normal que la zakat soit moindre. Taïeb. Celui maintenant qui a une rivière à proximité de son champ et a creusé des tranchées, a fait des irrigations qui permettent ou qui arrivent à son champ. C'est lui qui les a creusées, c'est lui qui a fait ses tranchées. Et qu'au bout de, à la fin de la récolte, il a ses 700 kilos de blé. Combien doit-il sortir de zakat? 35 ou 70? Les savants disent que le fait de creuser des tranchées n'est pas considéré comme arrosé. Quand on parle d'arroser, c'est quelqu'un qui prend l'eau d'un endroit et qui la porte d'un autre endroit, qui le prend. Et non pas quelqu'un qui fait une tranchée, il fait une tranchée la première année et puis il est tranquille pendant 15 ans. Non. Yani, c'est quelqu'un qui porte de l'eau et qui l'arrose et qui arrose son champ. Taïb, maintenant, une personne qui a un champ qui a été arrosé 6 mois par l'eau de la pluie et qui a été arrosé 6 mois par ses propres moyens à lui. Combien doit-il sortir de zakat? Non? 5%, c'est-à-dire? Il s'est fatigué, mais à moitié. Il s'est fatigué, mais à moitié. Non, les savants disent, yani, il faut être juste et rester dans cette voie-là. Yani, si tu n'arroses pas ton champ, tu dois donner le dixième. D'accord? Si tu l'arroses, tu dois donner la moitié du dixième. Donc, si la moitié de l'année tu ne l'as pas arrosée et l'autre moitié tu l'as arrosée, tu dois donner les trois quarts du dixième. Les trois quarts du dixième. Yani, un dixième, ça fait combien de quarts? Quatre quarts. Donc, lorsque tu n'as pas arrosé ton champ, tu dois donner. Lorsque tu n'as pas arrosé ton champ, tu dois donner. Quatre quarts. Quatre quarts, autrement dit, un dixième. D'accord? Et si tu l'as arrosé toi-même, tu dois donner deux quarts. Et lorsque pendant la moitié de l'année tu l'as arrosé et l'autre moitié tu ne l'as pas arrosé, tu dois donner la moitié qui est trois quarts. La moitié est entre les deux extrêmes, qui est de trois quarts. C'est clair? Et dans l'autre hadith de Ibn Umar radiallahu anhu, il y a un plus, car il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fima saqati as-sama'u wal-'uyun, ce qui a été arrosé par le ciel, c'est-à-dire la pluie, ou al-'uyun, c'est-à-dire les rivières et les ruisseaux, ou kana 'athariya, ou bien qui est 'athari. Et al-'athari, c'est un arbre ou une végétation dont les racines sont peu profondes, dont les racines sont peu profondes et qui s'alimentent tout seul. C'est un arbre, par exemple, où il y a une rivière à proximité. Il y a une rivière à proximité et cette rivière rend humide le sol et cette humidité suffit à cet arbre pour survivre. Car ses racines sont peu profondes. Ses racines sont peu profondes, donc qui s'auto-alimente. Un arbre qui s'auto-alimente. Donc celui-là aussi, yani, combien est-ce qu'on doit donner de la zakat de ses fruits?
Le dixième, comme l'a dit le prophète sallam, al-ushru. Wa fima saqa suqiya bin nadhi nisfu al-ushur. Et ce qui a été arrosé, ou plutôt ce qui a été ce qui puise de ce qui prend l'eau de l'arrosage, ce qui prend l'eau de l'arrosage, c'est-à-dire ce que tu as arrosé toi-même, nisf al-ushur, la moitié du dixième. Mais les comptes, il faut les faire après déduction des frais. Je veux dire, maintenant, des ouvriers, si on les paye avec la récolte même, c'est la zakat, on la sort avant ou après les frais des ouvriers? La zakat, on la sort le jour de la récolte. Le jour de la récolte. Et par là, est-ce que c'est sur le bénéfice ou est-ce que c'est sur la récolte? Justement, c'est pour cela que celui qui a arrosé de ses propres moyens, est-ce que c'est lui-même qui va arroser ou c'est ses employés? Ça peut être lui comme ça peut être ses employés. D'accord? Donc la compensation qu'il aura donnée à ses employés, elle est enlevée déjà de la zakat, parce qu'il a la moitié du dixième à donner, et non le dixième. Fahimt? Taïb. Puis l'auteur dit, kharsu al-nakhili wal-a'nab. Khars, en arabe, c'est l'estimation. خرص النخيل والأعناب, l'estimation concernant les palmiers et les vignes. Autrement dit, qu'en islam, il est autorisé d'estimer la quantité de zakat à donner concernant les dattes et le raisin, même avant la récolte. Parce que certaines personnes, que font-elles? Lorsqu'il y a la récolte, lorsque les dattes sont mûres, ils les enlèvent et en cachent une partie. Cachent une partie de ces dattes, et lorsque celui qui est chargé par l'État de récupérer la zakat arrive, il va compter le nombre de kilos qu'il y a, ils vont peser la quantité de dattes, et va sortir la zakat. Mais cette personne-là a déjà caché. Il a peut-être caché la moitié. Peut-être plus, peut-être moins. Donc pour éviter cela, il y a en islam ce qui s'appelle al-khars, l'estimation. Et ce sont des personnes qui ne font que ça. C'est leur spécialité. Tu les emmènes dans un champ de palmiers. Ils vont te dire, toi, ta récolte sera de tant de kilos. De tant de kilos, donc ta zakat sera de tant. Ça, c'est clair et net, on le sait déjà. Et on voit ça aussi chez les personnes qui ont des arbres fruitiers. Des orangers, par exemple. Des personnes qui achètent des orangers encore, les oranges encore dans l'arbre. Une personne qui veut prendre de l'avance, ça c'est connu dans ce domaine-là, qui veut acheter des oranges, il va, alors que les oranges ne sont pas encore, et n'ont pas encore été retirées. Et c'est par exemple cet arbre-là, ça va me faire 5 cajots. En comptant, ils ont des techniques pour compter, ils multiplient par des nombres bien précis. Et c'est par exemple cet arbre-là, ça va être 5 cajots, celui-là 50, celui-là 60. Et puis ainsi, il achète les oranges et il paye. Et ainsi, pareil pour Al-Khars, concernant l'estimation, les dattes et les raisins peuvent être estimés concernant la zakat. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi. عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت 10 أوسق خرص أو خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. La preuve, c'est le hadith d'Abu Saïd, Abu Humayd al-Sa'idi, radiallahu anhu, qui dit, nous sommes sortis en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Et une fois arrivés à la ville appelée Wadi al-Qura, qui est dans la route entre Médine et Tabouk,
Tabouk qui est située au nord de Médine, à une centaine de kilomètres au nord de Médine. Et dans cette ville, ils ont vu une femme dans son jardin, dans son champ. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une femme d'avoir sa propre culture et de travailler dans son jardin et de récolter. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ses compagnons اِخْرَصُوا c'est-à-dire estimez وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقْ Et le prophète صلى الله عليه وسلم en regardant les palmiers de cette femme a estimé que les dates seraient de عَشْرَةَ أَوْسُقْ On a dit, Al-Wasaq, c'est combien 60 sa'a. On a dit que 5 Aousouq, c'est combien 5 Aousouq, c'est 5 Aousouq, c'est le Nisab. C'est le seuil. Le seuil, c'est 2 Subhanallah. Le seuil, c'est 300. On a dit, c'est 612. Le Nisab, c'est 5 Aousouq. C'est 5 aousouq. Al-wasaq, c'est 60 sa'a. Un sa'a, c'est 2,40 kg. 2,40 kg. Donc, 5 aousouq, 5 aousouq font 612 kilos, qui est le seuil pour les cultures et les fruits. Et le prophète, en regardant les palmiers de cette femme, a estimé ses dates à 10 aousouq. Autrement dit, 612 fois 2, donc 1000. 224 kilos. Le professeur Sam a estimé sa culture à 1224 kilos. Puis lui a dit, c'était dans la route, c'est dans le trajet du professeur Sam. Et il a dit à cette femme, compte, lorsque tes dates seront mûres, compte combien de aousouq il y a. Compte, yani estime, ou compte exactement à combien correspond et compte la quantité. Puis dans le hadith, l'auteur ne l'a pas cité, le hadith est plus long que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk, et lorsqu'il est arrivé à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il y allait avoir une tempête, un vent violent, qui allait frapper Tabouk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de ne pas se lever et d'attacher leur chamelle. Et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, et a été emporté par la tempête, et c'est une montagne appelée Taï qui l'a arrêté dans sa course. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu et lorsqu'il est revenu et est repassé par Wadi al-Qura, par cette ville où il avait vu cette femme, qala lil mar'a, il a dit à la femme, kam ja'a hadiqatuki, combien est-ce que ton jardin, yani tes palmiers t'ont apporté? Qalat 'ashratu awsuq kharsu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit 10 awsuq, l'estimation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé de façon juste et précise la quantité de dates qui étaient présentes dans les palmiers de cette femme. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Wa an Aisha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yab'athu 'Abdullah ibn Rawaha fayakhrusu an-nakhl hina yatib qabla an yu'kala minhu thumma yukhayyir yahuda ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق حديث حسن لغيره رواه أبو داود Il y a un autre hadith qui prouve qu'il est légiféré de faire al-kharz, c'est-à-dire l'estimation, c'est le hadith de Aisha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Abdullah ibn Rawaha afin d'estimer les palmiers avant que les dates ne soient mûres, avant qu'elles ne soient consommables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Abdullah ibn Rawaha dans la ville de Khaybar. La ville de Khaybar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupérée, qui était habité auparavant par le peuple juif. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré cette ville,
il a fait un accord avec le peuple juif. Car ils ont dit, oh, oh Mohammed, laisse-nous les récoltes, laisse-nous nous occuper de nos récoltes, et tu auras la moitié des récoltes. La moitié des récoltes appartiendront aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé, a accepté, et a dit, nuqirukum fiha ma sha Allah. Et yani, nous vous autorisons de rester autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé que vous restez, sans donner de date ni de limite. Et Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, et Khaybar était connu pour être une ville où il y avait beaucoup de palmiers, où il y avait beaucoup de palmiers. Et Abdullah ibn Rawaha partait pour estimer le nombre de palmiers et disait aux Juifs, leur donnait le choix. Soit qu'ils donnent la moitié de ce qu'il aura estimé, ou bien alors qu'ils prennent la moitié. Autrement dit, lorsque par exemple, il a estimé, ou par exemple que la récolte comporte 100 palmiers, combien reviennent aux musulmans? 50. Il leur disait, soit vous me donnez 50 palmiers, ou l'équivalent, ou soit alors moi je prends les 50 palmiers. Et ils choisissaient à chaque fois, le peuple juif choisissait à chaque fois de garder le tout et de donner l'équivalent. De garder le tout et de donner l'équivalent en date. Donc dans ce hadith, il y a également la preuve que al-khas, que l'estimation est autorisée en islam et que l'État musulman peut envoyer des estimateurs afin d'éviter ou de minimiser les fraudes. Afin de minimiser les fraudes, car l'estimation se fait avant que le fruit ne soit consommé ou avant que la récolte ou les cultures ne soient récoltées et moissonnées. C'est clair pour ça? Taïb, thalithan. Non. Troisièmement, thalithan, zakatul mawashi. La troisième catégorie de biens dans lesquels la zakat est obligatoire, c'est ce qui est appelé en arabe al-mawashi. Wal-mawashi, ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم. Et المواشي en arabe, ce sont trois catégories qui sont la chamelle ou le chameau, la vache et الغنم et les ovins. Et les ovins comportent les moutons, les brebis, mais aussi les chèvres et les boucs. Zakat al-ibil, concernant la zakat des chameaux. Nisabuha, quel est le nisab pour concernant les chameaux? An Abi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: "Laysa fi ma duna khamsi dawdin min al-ibil sadaqah." Laysa في ما دون خمس دود من الإبل صدقة. Selon Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas dans moins de 5 daoud. Et daoud en arabe, c'est concernant les animaux, c'est le nombre compris entre 3 et 9. Le nombre d'animaux compris entre 3 et 9 en arabe, c'est appelé daoud. Et concernant les êtres humains, c'est appelé comment? Entre 3 et 9? Non? 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 Lorsque des hommes sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit l'un jeûnait toute l'année, l'autre ne se mariait pas avec les femmes, l'autre dormait... Non? Non, dans le hadith, c'est pas le nafar. Al-rahd en arabe. Al-rahd, c'est
un nombre de personnes compris entre 3 et 9. Ça, c'est concernant les êtres humains. Concernant les bêtes, entre 3 et 9, c'est appelé Zawd. Et ici, le professeur Sam a dit, il n'y a pas dans moins de 5, il a appelé aussi Zawd. Et 5, c'est bien compris entre 3 et 9. Donc, il n'y a pas dans moins de 5 chamels de sadaqa, c'est-à-dire de zakat. Donc, le nisab, le seuil est de 5. مقدار الواجب فيها. Maintenant, qu'est-ce que la personne qui a en sa possession 5 chamels ou plus doit donner? Quel est le montant ou la quantité de la zakat à donner en chamels? مقدار الواجب فيها. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. Hadith sahih, rawahu al-Bukhari wa al-Nasa'i wa Ibn Majah. Vous êtes prêts ou pas? Taïb. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit que Abu Bakr radiallahu anhu lui a écrit un livre lorsqu'il l'a envoyé à Bahreïn. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, qui est le premier des califes de l'islam, celui qui a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différentes contrées et différents pays, envoyé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller récupérer la zakat. Et il a envoyé Anas ibn Malik radiallahu anhu à Al-Bahreïn. Et le Bahreïn, dans le hadith, ce n'est pas l'île qui est connue à notre époque. Ce n'est pas Bahreïn connu à notre époque, mais c'est un endroit beaucoup plus vaste qui était connu également pour comporter beaucoup de palmiers. Donc, qu'est-ce qui est dit dans ce livre que Abu Bakr radiallahu anhu a écrit? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hadihi faridatu sadaqa allati farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-muslimin. Ceci est l'obligation, la zakat obligatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans. والتي أمر الله بها رسوله et elle-même a été ordonnée par Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, est-ce que l'obligation de la zakat vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, elle vient d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait dans cela que transmettre la loi d'Allah sur cela. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. Celui parmi les musulmans à qui on demande cette zakat et qu'on la demande de façon légale et de façon réglementée, falyu'tiha, qu'il la donne. وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ. Et celui à qui on demande plus que ce qu'il doit donner, alors qu'il ne la donne pas. Alors qu'il ne la donne pas. Si tu as 700 grammes de blé et qu'on te demande de donner 100 kilos, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne donne pas 100 kilos. Je donne 70 kilos, car c'est la quantité légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
في أربعين في أربع وعشرين من الإبن فما دونها من الغنم من كل خمس شاة de 24 chameaux en descendant pour chaque 5 chamelles tu dois donner une brebis c'est-à-dire tant que tu n'as pas 24 chameaux ou chamelles tu dois donner pour chaque yani, groupe de 5 chameaux tu dois donner pour chaque groupe de 5 une brebis. Quand tu as 5 chameaux, tu dois donner une brebis. Tu en as 10, tu dois donner. Tu en as 15, tu dois donner. Tu en as 20, tu dois donner 4 brebis. Taïb, tu en as 13. Combien tu dois en donner ? 2 ou 3 ? 2. Car les 13 est compris entre 10 et 15. Et tant que tu n'as pas atteint les 15, tu dois donner, et tant que tu es au-dessus de 10 et en dessous de 15, tu dois donner 2 brebis. Et quand tu es au-dessus de 15, mais en dessous de 20, tu dois donner 3 brebis. Et lorsque tu en as plus de 20, mais moins de 25, tu dois en donner 4. Taïb. Faïda balagat 25 ila 35. فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى Et lorsque tu en as 25, jusqu'à 35, alors tu dois donner بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى Tu dois donner une femelle appelée en islam, appelée, que le prophète s'est appelé مَخَاض Et la femelle appelée مَخَاض en arabe, c'est la femelle qui a un an. C'est la femelle qui a un an. Et al-makhad, c'est la chamelle qui est enceinte. Autrement dit, la chamelle qui a un an, sa mère est normalement enceinte ou va l'être bientôt. D'accord ? Donc, lorsque tu en as 25 jusqu'à 35, la zakat que tu dois donner une chamelle, une femelle, et qui a un an. Et quand on dit femelle, ça veut dire que le mâle n'est pas accepté. Parce que concernant les animaux, la femelle est plus importante et plus chère que le mâle. Pourquoi ? Car la femelle met bas. Meba à d'autres petits. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. Et lorsque tu atteins les 36 jusqu'à 45, alors la zakat est une femelle appelée laboun, c'est-à-dire une femelle qui a 2 ans. Une femelle qui a 2 ans, et elle est appelée la boule, car à 2 ans, sa mère allait. Sa mère a, yani, allait. Allait sa petite. Donc, de 25 à combien on a dit? À 35, tu dois donner une chamelle de 1 an. De 36 à 45, tu dois donner une chamelle de 2 ans. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. Et lorsque tu en as 46 jusqu'à 60, tu dois donner une chamelle appelée en arabe حقة طروقة الجمل. Une chamelle qui a l'âge de 3 ans. Et elle est appelée حقة car elle supporte qu'un chameau monte dessus. Car elle supporte qu'un chameau monte dessus. Donc, lorsque tu en as 46 jusqu'à 60, tu dois donner en zakat une chamelle de 3 ans. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةٌ وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
فَفِيهَا جَذْعَةً. Et lorsque tu en as 61, entre 61 et 75, tu dois donner une jad'a. Et la jad'a, c'est la chamelle qui a 4 ans. C'est la chamelle qui a 4 ans. Entre 61 et 75. Donc, entre 25 et 35, tu dois donner une chamelle de 1 an. Entre 36 et 45, tu dois donner une chamelle de 2 ans. Entre 46 et 60, tu dois donner une chamelle de 3 ans. Entre 61 et 75, tu dois donner une chamelle de 4 ans. فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ. Et lorsque tu en as 76 jusqu'à 90, tu dois leur donner deux bint laboun. Deux bint laboun. Et bint laboun, c'est la petite qui a, c'est la chamelle qui a deux ans. Celle qui a un an, c'est bint machad. Celle qui a deux ans, c'est bint laboun. Quand tu en as 76 jusqu'à 90, tu dois donner deux chamelles de deux ans. فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. Et lorsque tu en as 91 jusqu'à 120, tu dois donner deux hiqqat, deux hiqqatan, deux femelles de 3 ans. C'est clair jusque là? فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. C'est là où ça se complique. Et le professeur Asselin a dit, et lorsqu'il y a plus de 120, alors pour chaque quarantaine de chameaux, tu dois donner bint labun, une chamelle de 2 ans. Et pour chaque cinquantaine, tu dois donner une chamelle de 3 ans. طيب, j'ai 130 chameaux. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat? Non? 3 bint laboun. Donc 3 bint laboun, le professeur me dit pour chaque 40, tu dois donner une bint laboun. Donc tu me dis je dois donner 3 bint laboun, autrement dit 3 fois 40. 3 fois 40, ça fait combien? Mais j'en ai 130. J'en fais quoi des 10? J'en fais quoi des 10? On les compte pas? On peut pas faire autrement? J'en ai 130. 130, c'est 2 fois 40 plus 1 fois 50. Donc, 2 fois 40, je donne 2 chamelles de 2 ans. Et 1 fois 50, je donne une chamelle de 3 ans. Ça fait 130. J'en ai 190. J'en ai 190. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat? 3 chamelles de 3 ans et une chamelle de 2 ans. 3 fois 50 qui fait 150 et 40, le tout qui fait 190. Taïb, j'en ai 125. Combien est-ce que je dois donner de zakat? Hein? Deux chamelles de 3 ans et une brebis, non? Deux, non. Et le professeur Sam a dit, au-dessus de 120, pour chaque 40, tu dois donner une chamelle de 2 ans, bint laboun, et pour chaque cinquantaine, tu dois donner une hiqqa, une chamelle de 3 ans. Il n'y a pas de brebis dedans. Ouais. On doit suivre l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Donc quand il y en a 125, chamelle de 3 ans. C'est 3 chamelles de 2 ans. C'est 3 fois 40. 3 fois 40. Et les 5 qui sont en plus, ce n'est pas grave. Et la règle, c'est que lorsque tu fais tes calculs et qu'il te reste au minimum 10 chamelles ou plus, c'est que tu as mal fait tes calculs.
Ça, c'est une règle. Dans les chameaux, lorsque, à la fin de tes calculs, il te reste au minimum 10 ou plus chamelles, c'est que tu as mal fait tes calculs. Comme tout à l'heure, lorsque j'avais 130 chamelles et que j'ai donné 3 chamelles de 2 ans, ça me faisait 3 fois 40, ce qui fait 120, il me restait 10. Donc automatiquement, je me suis trompé. Taïeb, j'ai 160 chamelles. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat? 4 chamelles de 2 ans, ce qui correspond à 4 fois 40. Taïeb, 170. Non? Trois de deux ans, ça fait combien? 120. Et une de trois ans, plus 50, ce qui fait 170. 180. Lorsque j'en ai 180, je dois donner deux chamelles de deux ans, deux bint lavoun, ce qui correspond à 2 fois 40, plus 2 de 3 ans, ce qui correspond à 2 fois 50. 190, on l'a déjà vu. Et 200 5 de 12. Lorsque tu as 200 chamelles, tu as le choix. Soit tu donnes 5 chamelles de 2 ans, 5 fois 40, ou bien alors tu donnes 4 chamelles de 3 ans, 4 fois 50. Donc c'est bon si vous avez fait toutes ces étapes-là. Après, au-dessus de 200, vous pouvez refaire le calcul identique. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.